Où est-ce que je suis? Mais vous faites quoi ici, vous tous? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a assommé, c'est qui m'a ramené ici? Ouais, toi aussi on t'a foutu un coup de boule. Toi aussi, Tengue? Non, moi, je me baladais sur le trottoir pour rentrer chez moi et il y a une wagonnette qui est arrivée qui m'a pris en otage. Qui t'a capturé? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici, Nugget? Moi, il y a quelqu'un qui m'a capturé. Oh. Bon, est-ce que ça vous dit qu'on sort d'ici, là? Ouais, je te jure, moi, j'étais en train de manger un humain et d'un coup, on m'a mis un gros coup de boule, je sais pas quoi, et pouf, blackout. Bon, attendez, on va tout de suite sortir d'ici, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce qu'on est ici? Ça me dit un truc. Attends, les triangles, les nuages, la poupée... ça te rappelle pas une série, par hasard? Une série? Ça te fait penser à quelque chose, toi? C'était pas un calamar? Quel calamar? Qu'est-ce que tu racontes? Si, moi, ça me dit un truc. Un calamar? C'était un truc quiz game, je crois. Quiz game. Ouais. Non. Attends. Calamar en anglais, c'est squid. Attends, mais... Squid game. Tu sais de quoi ils parlent, eux deux? Mais oui, la série qui doit faire au moins un an, c'est Squid Game. Un, deux, trois soleils. Ah mais oui, je sais. Même on peut gagner 3 milliards d'euros à la clé. Ouais, c'est ça, moi je veux les gagner les 3 milliards d'euros alors. Ah mais je crois qu'on est déjà dans la première épreuve. Et je crois qu'il va falloir arriver à la ligne d'arrivée. Ok, on peut commencer tout de suite à avancer. Avancer. Ok, faut plus bouger. Ok, on bouge plus. La poupée, elle est retournée. Ok, on va attendre qu'elle rebouge. Ok, venez, on avance. Je suis trop fort, je suis le meilleur. Nya. Grogne. Oh la vache. Oh, je crois que Katnap a bougé. Je suis dans la sauce là. Les gars, aidez-moi. Oh, je crois que. Oh, il s'est fait exploser. Bougez plus. Ok, on peut bouger là? Non, ok, la poupée elle est toujours en train de regarder. Ok, avancez. Vite. Ok, c'est bon, on est arrivé. Parfait. Bon, Nugget et moi avons réussi, Katnap est mort. Mais Tengue, t'as pas compris le concept de la vidéo? Mais c'est Ah ouais, j'ai compris en fait, je réfléchissais. Cours. Oh, on l'a échappé belle. Bon, malheureusement les amis, on a perdu un candidat, donc c'est Katnap. On est pour l'instant 3 survivants, donc évidemment il y aura que un seul survivant possible à la fin. Donc n'hésitez pas à mettre vos pronostics dans l'espace commentaire si vous pensez que c'est Tengue qui va gagner, ou si c'est moi, ou si c'est Nugget. Et on va tout de suite pouvoir passer à la prochaine épreuve. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, vas-y, moi j'ai hâte. Et toi? Moi je suis trop chaud comme d'habitude. Ok, c'est parti. Bien joué, participants. Vous avez réussi la première épreuve. Mais vous êtes qui? Le gérant de... Bon, allez, rentrez. Ok, vous venez les mecs? Ouais, moi je veux gagner. Mais attendez! Je crois que c'est vous qui m'avez capturé! Absolument, je vous ai tous capturé et ramené ici sous ordre du patron. Mais vous êtes sérieux ou quoi? Pourquoi vous m'avez capturé moi? Moi j'ai rien demandé! Je m'en fiche, il y a 3000 euros à la clé. 3 millions ou 3 milliards? 3 millions. 3 millions d'euros? Oh, vous pouvez toujours voter pour quitter. Voter pour quitter? En vrai, ça vous dit qu'on fasse un petit vote? Ouais, vas-y, on fait le vote. Moi, je sais qu'est-ce que je vais voter. Ok, du coup, toi, tu voudrais quoi? Rester dans le jeu? Quitter la game? Moi, je voudrais rester parce que 3 millions, t'imagines, je pourrais aider toutes les personnes de ma famille. C'est vrai que 3 millions d'euros, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, si je les gagne, les amis, je les partagerai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Donc abonnez-vous vraiment à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, vous descendez en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le bouton rouge. Et par toi, contre, je t'ai pas autorisé à aller derrière moi. Oui, excuse-moi. Et toi, Nugget, t'as envie de gagner cet argent? Ouais, je pense, parce que ça fait quand même quelques petits beaux billets. 3 millions. Ok, bon bah du coup, je pense qu'on a tous voté pour continuer le jeu. Et du coup, c'est quoi la prochaine épreuve? Eh bien, dans ce cas, suivez-moi. Ok, oula, on va faire attention, ils ont des petites armes, voilà, on passe entre eux. Ok, où est-ce qu'on est? Oh,
Oh, mais ça me rappelle quelque chose, c'est le dortoir! Exactement. Je vous laisse aller dormir et vous reposer. En effet, faites quand même attention, la nuit risque d'être... mouvementée. Ok. En plus de ça, on a du pain et du lait pour manger? Attendez, c'est vraiment notre repas du soir? Absolument. Mais moi, je veux un vrai burger! Tu veux que je mette fin à tes jours? Non, monsieur, ok. Arrête de te plaindre et mange. Ok. Bon, bah, on va se contenter de ce qu'on a, hein. Jeez, moi je suis intolérant au lactose. Ah, bon bah tu pourrais manger le pain qui reste. Dépêche-toi parce que Nuggets il est en train de tout manger. Vite. Voilà, je te laisse manger le pain. Et moi ce que je vais faire c'est que je vais me contenter du lait qui est juste ici. Voilà, hop, je vais prendre les petites briques de lait. Voilà, hop, donc je vais le boire si jamais je commence à avoir super faim. Donc par contre au niveau des participants c'est normal qu'on ait que 3. Enfin, on était 4. Absolument. Ah oui d'accord. Ok. Et le nombre de gagnants, il y en a combien? Un seul. Un seul? Oh, ça veut dire qu'il y en a forcément 2 qui vont mourir ici. Ça peut être aussi moi, hein, donc restez bien jusqu'à la fin, les amis. Alors, le lit que je vais choisir un lit qui est bien tout en haut. Ouais, je pense que je vais me mettre dans un lit qui est super, ouais, qui est super haut. Dites-moi, est-ce que vous avez des échelles, s'il vous plaît? Des échelles? Effectivement, il se peut que j'en ai. Oui, parce que moi je sais pas est-ce qu'il y a la D, hein, je suis pas un singe. Et bah va falloir la prendre parce que la nuit sera mouvementée, je te préviens tout de suite. Mouvementée? Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tengue? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'as une idée? Pourquoi il dit que la nuit elle va être mouvementée, ça veut dire quoi? Cheese. Bah t'as jamais vu Squid Game? Non. Cheese. Hein, si. Oui quoi, bah. Qu'est-ce qu'il y a, Nugget? Pourquoi il y a des bâtons dans les coffres? Écoutez-moi. À minuit précisément, vous prendrez les bâtons dans les coffres. C'est-à-dire dans une minute. Dans une minute? Non mais dans une minute, qu'est-ce qui va se passer? Là, j'ai peur. Y'a des gens qui vont venir nous tuer ou quoi? Bah non, je pense que c'est moi qui vais te tuer, Tease. Pour toutes les fois où tu m'as sacrifié dans tes vidéos. Ah mais oui, c'est la nuit où il faut tous s'entretuer. C'est ça. Oh non, mais tengue. On n'est pas là pour s'entretuer. On est là pour que le meilleur gagne. Donc on va pas se tuer, on va coopérer. Attends, on fait une alliance contre Nuggets, comme ça on gagne tous les deux. Non, ça se fait pas, le pauvre. On va pas le buter. Bon, moi ce que j'ai. Il est minuit. Prenez les bâtons. Vite, j'ai mon bâton, les amis. Hop, c'est parti. Je me mets tout en haut. Voilà. Hop, je me réfugie. Ah, vite. Il va falloir que je me réfugie. Vous avez 3 minutes de survie. Oh, les lumières sont éteintes. 1 minute 30. Waouh. Attendez. Du coup, là, je crois qu'il faut se battre. Tiens, prends ça. Non. Ah. Ok. Hey, t'approches pas de moi là. Bouge. Bougez d'ici là. Oh, les preuves s'arrêtent lorsque l'un de vous meurt. Oh, arrêtez de vous approcher de moi là, j'ai pas envie de mourir. Ah, barrez-vous d'ici, j'ai trop peur. En plus, il fait super noir. Je ne vois absolument rien. Ok, moi je vais rester caché. Non, arrêtez. Bon, attendez, les mecs. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On va arrêter de se taper. En vrai, on n'est pas là pour s'entretuer, on est des bons amis. Ouais, c'est vrai qu'on est censé être les meilleurs amis du monde. Voilà, donc faudrait trouver quelque chose d'autre. T'as une solution, toi? Moi? Ouais. Vas-y, dis-moi. On lui pète le crâne, allez, viens! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est complètement malade! Il est malade! Contre le mur, j'ai dit. Contre le mur! Hors de question. Allez, viens. Mais contre le mur! Qu'est-ce qu'il fait? Bon, très bien, il l'aura voulu. Non! Non, mais pourquoi vous avez buté Nuggets? Si quelqu'un m'attaque, il meurt, point barre. Oh non! Il vient de tuer Nuggets devant moi! Ça se termine dans 5 secondes l'épreuve, donc dépêchez-vous de regagner vos lits. Oh what? Non! Ah! Les lumières y sont revenues. Ok. Bien. Vous êtes à présent 2. Quelqu'un vote pour arrêter? Non, j'ai pas envie d'arrêter, mais... Est-ce qu'on peut faire un jeu moins cruel? Parce que là, vous avez quand même tué 2 personnages que je connaissais super bien. Boucle-la, oh. Demande encore une seule chose comme ça, je te colle une balle dans la tête, c'est clair? Non, j'ai pas envie d'une balle dans le crâne à tramir. Ok, non, c'est bon. Ça une fois, je t'en mets 2. Non, c'est bon. On va ranger les bâtons. Vous votez les 2 pour continuer? Ouais. Dans ce cas, suivez-moi. Je vote. Ok. Bon, bah, les amis, Nuggets a quitté l'aventure. Monsieur, il reste combien d'épreuves encore? Attends, je vais contacter le patron. C'est la dernière. C'est la dernière?
Oui, normalement. Ok, donc si jamais il y a... Bah, il faut qu'il y ait absolument quelqu'un qui meure, alors. Exactement. Ok, bon, bah, c'est ce qu'on va voir. Ok, donc là, c'est tout simplement l'épreuve... c'est l'épreuve des biscuits, c'est ça? Si je ne me trompe pas, oui, c'est cela. Ok, c'est bien l'épreuve des biscuits. Donc, comme figure, qu'est-ce que nous avons? On a une espèce de pyramide, on a un espèce de golem, et on a une croix. Ok. Bon, bah, c'est parti, il va falloir choisir un de ces trois leviers. Ok, bon, bah, du coup... Je choisis. Tu choisis lequel? Celui-là. Celui-ci? Ok. Ouais. Bon, moi, je vais choisir entre un de ces deux-là. Monsieur, vous me conseillez lequel? Personnellement, toi, je t'aime bien, donc je te conseille celui de droite. Celui de droite, c'est parti. Ok, on va tout de suite savoir qu'est-ce que nous avons. Allez, hop, bien. 3. Activez vos leviers. Oui, ok, c'est parti. Hop, j'active. Et... Oh, non, j'ai un truc super compliqué. Il va falloir que je creuse cette forme. Oh non, ça va être super chaud. Ok, bon, il va falloir que je creuse ça avec ma petite pelle. Venez par ici, maintenant que vous avez découvert vos couleurs, je vais vous donner les pelles et vous allez creuser. Ok monsieur, on arrive. Tiens. Allez, maintenant, à vos couleurs. Ok, alors moi je crois que j'avais la couleur vert. Toi t'as quelle couleur? Moi j'ai le bleu, j'ai le cercle, t'as vu? Ok, donc moi j'ai l'espèce de golem. Alors monsieur, si j'ai bien compris, faut enlever le sable, c'est ça? Exactement, rate-toi, je te bute, tout simplement. Ah donc là, si je casse le vert, je risque de mourir? Exact. Oh, c'est pas tu risques, si tu casses le vert, tu meurs en fait. Ah d'accord, ok. Bon bah il va falloir que je fasse super attention. Petite balle d'AK dans ton crâne. Ouais, en plus regardez la pelle comment elle est super efficace. Oh what, il faut que je fasse vraiment attention. Il faut que je sois délicat puisque regardez, ça casse de deux en deux blocs. Ok, j'essaye vraiment de viser vers le bas. Ok, comme ça, ça va être super simple et efficace. Ah, ok, je crois que c'est le dernier bloc à casser. Ok, parfait. Monsieur, regardez. Il reste du sable au fond. C'est vrai, mais j'arrive pas à l'atteindre. Bien, dans ce cas, épreuve validée pour toi. Youhou, super, j'ai réussi cette épreuve. Donne-moi la pelle. Je veux qu'aucun candidat n'ait de quoi se défendre. Oui, ok, de ça marche. De toute façon, tu fais un mouvement, je te mets un coup d'AK. Enfin bref, bon, qu'est-ce que tu fais, toi? Mais j'ai trop peur. Oh là 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 là, toujours des comme ça dans cette épreuve, pas possible, ça. Mais Tenki, pourquoi tu n'as encore rien fait? Mais parce que elle est trop puissante cette pelle, j'ai peur de donner un mauvais coup. Alors, t'as 10 secondes pour le raisonner qu'il le fasse avant que je le bute, voilà, c'est tout. Ok, monsieur, laissez-moi le raisonner, allez dans le couloir, laissez-moi le raisonner. Secondes. Oui, ok, bon, vu qu'il est pas là, tu peux tricher en attendant, au pire, utilise ta main pour casser. T'es un génie. Vas-y, vas-y, t'inquiète, je vais faire genre de lui parler. Allez, tu sais quoi, je vais même aider Tenge pour cette épreuve. Vas-y. Voilà, hop, ok. Je vais faire genre de distraire un peu... Temps écoulé. Monsieur, ouais. Regardez, derrière, je crois qu'il y avait un hérisson là-bas, allez voir. Un hérisson? Oui. Ok, dépêche-toi là, il arrive. Vite, ok. Monsieur... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Du coup, vous avez vu l'hérisson bleu, c'était... Je crois que c'était Sonic. Mais t'es vraiment bizarre, toi. Tu mériterais une balle d'AK. Je suis désolé, j'ai peut-être des hallucinations, alors. Ah bah là, c'est plus qu'une hallucination. T'as pas creusé assez profond, gamin. Il en reste des blocs, là. Non, c'est juste que j'arrive pas à y aller. Monsieur, c'est comme moi, c'est trois couches, ça suffit large. Bref, on va dire que c'est validé. Bon, dans ce cas, une épreuve bonus est nécessaire. Pourquoi? Mais vous avez dit que c'était la dernière épreuve. Oui, mais vous êtes deux survivants, il faut bien qu'il y en ait un qui meure au bout d'un moment. Enfin, bon, préparez-vous à l'épreuve la plus difficile. Je vous préviens tout de suite, vous n'allez pas y résister. Un de vous deux va mourir, voire même les deux. Suivez-moi. L'épreuve... Plus de retour en arrière. Oh. Attends, tu sais c'est quoi l'épreuve la plus difficile? Non. Okay. Mais je sais pas, on ne les a pas toutes fait les épreuves de Squid Game, là? Bah, on dirait que non, donc on va aller voir la prochaine épreuve. Ok, vas-y. Ok, c'est parti. Dépêchez-vous. Oui, on arrive. Ok. Tu viens t'aider? 4. Ouais, j'arrive. 2. 1. Bienvenue à l'épreuve du pont de glace. Pont de glace? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est un pont, on a juste à sauter en fait. Cheese.
Tu as vraiment cru que gagner 3 millions d'euros serait si facile, très cher? T'as une chance sur deux à chaque fois. Vise le mauvais pont et... plouf, tu te splashes, tu exploses, ton tésor ressort, j'en sais rien, tu meurs, quoi. Ah oui, je fais une énorme chute et je meurs. C'est ça, t'as tout compris. Mince. Mais Tease, oui, c'est une épreuve connue de Squid Game, c'est la plus connue, je pense. Tu la connaissais pas? Si, mais vu que la série, elle date, tu sais, moi, j'ai oublié, quoi. Ah ouais, moi, je comprends aussi, ça fait longtemps que je l'avais vu. Ok. Bon, bah, du coup, tu commences, hein, vu que c'est toi le premier, vu que c'est toi le boss. Vous avez 3 minutes avant que le pont en verre explose totalement. Ah, ok, bon, bah... j'ai une idée. Oui, et si on jetait des blocs pour voir quel est le bon? Ah ouais, moi, je pense que c'est celui de droite, vas-y, jette sur le sol de droite. Hop. Ah non. Il a transpercé. Ouais, ça veut dire que c'est lui. Ah, c'est peut-être lui. Ok, bon, bah, c'est parti, hop. Ok, t'avais raison. Vas-y, je te laisse lancer le deuxième bloc. Vas-y. En face. C'est en face, le bon. T'es sûr? Vas-y, rejette. Regarde, hop. Ah oui, effectivement. Allez, c'est parti. Ok, nickel. Pour l'instant, on en a réussi deux. Très bien. À partir de maintenant, je refuse la tricherie. Par conséquent, je vais... annuler vos effets. Comment ça, annuler nos effets? Je rigole, je vais juste éteindre la lumière. Pourquoi éteindre la lumière, monsieur? Tac. Simplement pour plus aucune triche. Oh mince, on va plus rien voir si on jette les objets. Ouais. Ok, bon. Pierre, Tease, toi tu fais celui-là de pont et moi je fais celui d'après. Vas-y, ok. Allez-y, je le tente. Bon, si on a fait gauche-gauche, peut-être que le prochain c'est celui de droite. Ok, on va tout de suite le tenter. J'espère que c'est ça. Bien. Ah oui, c'était bien ça. Intéressant. Ouais. Intéressant. Attends, très attends. Intéressant. Donc okay. Attends. Donc là, si on a fait gauche-gauche, ça veut dire que là c'est droite-droite. T'es sûr? Mais oui, c'est logique, c'est mathématique. Ok. Oh, oh non. Non. Oh non. Très bien. Tengue est mort. J'irai récupérer son cadavre après pour le revendre. Enfin, je te laisse venir alors. Oh, c'est affreux. Bon, bah, j'imagine que c'est celui de gauche, hein. Oh. Oui. Oh, monsieur, j'ai réussi l'épreuve. Tu es le dernier survivant. Dès à présent, suis-moi. Oh. Et. Mais ils sont les 2 millions d'euros, monsieur? C'est des lingots d'or. Tu sais combien ça vaut, un lingot d'or? Ah oui, du coup, je peux les revendre. Exactement. Oh, parfait. Alors, et ça, c'est mon avion pour que je rentre à la maison? Exactement, il était juste passé du mauvais côté. Enfin, je vais te passer un petit peu d'essence. Ok, bon, bah c'est parti les amis, je récupère tout l'argent que j'ai gagné, donc 2 millions d'euros. Évidemment, je n'oublie pas qu'il va falloir que je partage tout cet argent à tous mes abonnés, enfin plutôt toutes les personnes qui sont abonnées. Attends, ne bouge pas, j'ai juste un petit quelque chose à faire, je prends une petite aiguille. Hop là. Aïe. Voilà, parle de l'existence de ce jeu à quelqu'un. Je te retrouve, je te tue. Mets de l'essence dans ton avion et barre-toi. Ok, monsieur, je dirai rien à personne. Uniquement mes abonnés, ils le sauront, c'est tout. Très bien, mais s'ils le répètent... Ah, ok, bon bah les amis, ne répétez surtout pas que ce jeu existe, hein. Bref, je vais aller chercher le corps de tes amis et les revendre sur internet, allez. Non, monsieur, moi je pourrais récupérer leur corps. Non. Ah, ok, bon bah je vais pas pouvoir récupérer leur corps. Bon. Ah les amis, si jamais vous voulez que je fasse une mission de sauvetage pour que je vienne récupérer leur corps, bah dites-le moi dans l'espace commentaire et je vais tout de suite récupérer mon avion pour que je me taille d'ici.